La classe Ulysse vous présente son coup de cœur. Moselle Lire, Sarreguemines, Collège Ferrat 2022. Lancelot du Lac. Écrit par Victor Poucher, illustré par Kilofer, édité par l'École des Loisirs. On a tellement aimé le livre, on a fait un génial livre. Bonne découverte. Le héros de l'histoire est Lancelot du Lac. Il mesure 1m35 et entre en 6e. Il a 11 ans. Le premier jour, au collège, Lancelot a un coup de foudre pour Guinevere. Guinevere est sa reine. Pour se faire remarquer par Guinevere, il participe au match de foot. Mais il se prend la balle en pleine figure. Ça fait une semaine que Guinevere n'est plus au collège. Où est-elle ? Lancelot demande au documentaliste Merlin de la retrouver. Il lui annonce qu'elle n'est plus dans le collège et qu'elle a déménagé. Horreur ! Finalement, Lancelot se leva, son plateau à la main. Il marcha excessivement lentement vers la table, comme s'il pensait à autre chose. En passant près de la table d'Arthur, il s'arrêta dans une position bizarre. Un peu derrière lui, en B, il n'osait rien dire. Debout bêtement, son plateau à la main, les gens de la table regardaient, Arthur finit par se retourner. « Qu'est-ce que tu fous là, toi ?»« Désolé de te déranger, pardon, mais en fait, je voulais te demander quelque chose parce que, tu sais, la fille de ma classe, la blonde, qui traîne avec vous parfois, tu l'as vue ?»« Ben non. »« Oui, donc tu ne sais pas où elle est. » Tu l'as vu où ? Mais c'est quoi ton problème ? Vite, ta vinaigrette, mon pote. Allez, adios ! Lancelot se met à la recherche de sa reine Guinevere, alias Guinevere. Mais pour cela, il doit traverser tout Paris en métro. Il sort au jardin d'acclimatation. Une nouvelle épreuve attend Lancelot. Il se perd dans le labyrinthe des miroirs. Il sème ses habits. Quand tout à coup, un plastique à côté de lui se met à bouger, une vieille dame, toute ridée, sans dents, qui sent mauvais, en sort. Elle l'envoie au fond du parc. À vous de découvrir la fin! J'ai aimé ce livre parce qu'on y mélange le Moyen-Âge et les temps d'aujourd'hui. J'ai aimé le livre parce que la fée Filiam est moche. J'aime ce livre car on parle de Lancelot et du chevalier de la Table Ronde. J'ai aimé ce livre quand Lancelot se perd dans le labyrinthe des miroirs. J'ai aimé ce livre parce que Lancelot porte le prénom de son grand-père. J'ai aimé ce livre parce que il a de l'humour, surtout quand Lancelot se prend la balle au visage pendant la partie de foot. Vite à vinaigrette !